on connaît tous des maladies terribles conduisant à une mort certaine et douloureuse. Aujourd'hui, je vais vous présenter des maladies non mortelles, mais terriblement embêtantes. Ce top 10 des maladies les plus gênantes cite des troubles que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi, bien que leur issue ne soit pas fatale. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Numéro 10, le syndrome du loup-garou. Souvenez-vous de cette brunette au collège d'origine portugaise dont toute la classe se moquait à cause de sa pilosité excessive. Les personnes souffrant de ce syndrome aussi appelé hypertrichose lui ressemblent en pire. Leur corps, dès la naissance, est recouvert d'une quantité excessive de poils et cela empire au fil des années. Le visage peut être complètement recouvert de longs poils jusqu'à gêner la vue. Numéro 9, la macrodactylie. Difficile de trouver chaussures à son pied lorsque l'on souffre de macrodactylie. Cette maladie conduit à une croissance excessive des pieds et des mains qui peuvent mesurer jusqu'à 40 cm. C'est 3 fois la taille d'un pied normal. Parfois, il n'y a pas d'autre choix que d'amputer la partie atteinte, trop gênante pour se déplacer, s'habiller ou faire d'autres gestes du quotidien. Numéro 8, l'hyperhidrose. Le petit poussé n'aurait pas eu besoin de laisser des cailloux ou des miettes de pain sur son chemin s'il souffrait d'hydrohidrose. Il aurait tout simplement retrouvé sa trace grâce aux flaques de sueur laissé sur sa route. En effet, l'hyperhidrose entraîne une transpiration excessive des mains, des pieds, des aisselles et parfois de toutes les autres parties du corps. Numéro 7, le SIBO. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver lors d'un premier rendez-vous galant? Être pris de terribles flatulences au moment de se dire au revoir. Les patients souffrant de SIBO connaissent bien la gêne qu'occasionne socialement le fait de péter. Elles pètent beaucoup plus souvent que la moyenne, en plus de souffrir de ballonnements, jusqu'à passer plusieurs heures par jour aux toilettes. Numéro 6, le syndrome de la main étrangère. Imaginez, au cours d'un repas de famille, votre tante vous gifle subitement après s'être elle-même frappée. Cela peut arriver dans certaines familles dont un des membres est atteint de cette maladie. Une de leurs mains est incontrôlable, alors que les mouvements semblent volontaires. Cette main ne fait en sorte plus partie de leur corps, même si elle est toujours reliée. Numéro 5, l'érotophilie. On se souvient tous de ces horribles et ringardes poésies à réciter devant toute la classe à l'école. Souvent, on bafouillait, on rougissait. Et plus on pensait au fait de rougir, plus on rougissait, plus on perdait ses mots. Les érotophobes ressentent cela tous les jours, toute la vie. Ils rougissent extrêmement facilement, appréhendent cela et rougissent encore plus jusqu'à s'exclure socialement. Numéro 4, la jargonaphasie. Je me suis radi sur une glaise pourrait vous rétorquer un voisin atteint de jargonaphasie. Ce trouble conduit les personnes qui en souffrent à déformer, voire inventer des mots jusqu'à rendre leur langage incompréhensible. En plus, elles ne s'en rendent compte que si on leur fait remarquer. Parfois, les mots sont corrects mais inappropriés. Il est colorié son parapluie. Numéro 3, le pica. Ah, ces paris stupides qui nous ont conduit une fois à boire un verre de vinaigre ou manger un bout de papier. Pour certains, ces comportements décalés ne sont pas anecdotiques. Ce trouble du comportement alimentaire se caractérise par l'ingestion de substances non comestibles, craie, plastique, couche, cendres de cigarettes, etc. S'il est plus fréquent chez l'enfant, des adultes en sont aussi atteints. Numéro 2, le syndrome de l'odeur du poisson pourri. La triméthylaminurie est l'autre nom moins révélateur de ce syndrome terriblement gênant. Tout le corps des personnes qui en sont atteintes sent constamment le poisson pourri. Le seul et unique moyen d'y remédier est de suivre un régime alimentaire très strict. C'est particulièrement l'urine, la sueur et le souffle
qui porte cette odeur forte et nauséabonde. Numéro 1, les hémorroïdes. Moins exotiques que les précédentes maladies, les hémorroïdes n'en sont pas moins gênants. Si l'on évoque sans problème en public un petit rhume ou une allergie, on passe volontiers sous silence cette enflure anale qui nous démange. Pourtant, une personne sur deux en sera atteinte au cours de sa vie. Mais la honte de se gratter les fesses en public persiste tout de même. Que pensez-vous de ce top ? Laquelle de ces maladies vous semble la plus gênante ? Dites-le-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Et si vous voulez plus de vidéos de ce type, dites-le-moi dans les commentaires. Vous pouvez aussi voir une autre vidéo surprenante en cliquant sur celle que je vous propose.